ravissement des innocents, cette nécromante sur une famille. Une famille africaine, oui, mais à la même temps, une famille universelle. Au début du roman, Kweku, le père, est mort. Mais ce n'est pas une tragédie, dans le sens que après la mort de Kweku, la famille devient encore plus forte. Ils sont quatre filles, Olu, Taiwo, Kainde et Jumo, et Sadie, la plus jeune. Fola, la mère, est nigérienne, montre Kweku, le père, est gagnant. Les filles sont afropolitaines, comme moi. C'est pas une roman africain. Dans le sens que l'histoire, pour moi, est une histoire humaine. Et quand j'écris ce roman, j'avais le sens que l'Afrique imaginée n'existait pas. Et mon sens, je voulais créer un monde plus familier, plus vrai pour moi. Et dans ce roman, Le ravissement des innocents, j'ai essayé.